Donc, euh, concernant évidemment le, le, le drame, c'est un drame... Euh, ah oui, une tragédie. Une tragédie, euh, je pense que tout le monde est au courant, là, à moins d'avoir été dans le bois toute la fin de semaine, euh, on a vu ça passer en boucle. Oui. Sûrement que vous avez plusieurs choses à dire là-dessus. Ben, la première qui me en fait, frappe ce matin, c'est que l'individu Carl Giroir se sera amené à Québec aurait débarqué de son auto, semble-t-il, à 10h15 du soir. Bon, 22h15. Et il sera arrêté 4 minutes avant 1h du matin. Je me suis permis de calculer 2 h quarts. Ça a pris à la police de Québec 2h34 pour appréhender un assassin qui se promenait à pied. Avec un sabre de samouraï dans le vieux Québec. Deuxièmement, ils l'ont recueilli en bas, à la base ville, en hypothermie. Il grelottait, il était gelé. Deux points à retenir ici. On nous informe que son auto était en marche. Il laisse son auto en marche et il est retrouvé. Deux heures, trois quarts plus tard par la police, pas retrouvé, ramassé, recueilli, arrêté, utilisez le mot que vous voudrez, en hypothermie, il était gelé. Deux éléments. Autre commentaire, j'apprends dans le journal ce matin, on nous apprend que les enquêteurs l'ont rencontré dimanche. Flanqué d'un psychologue. Oui, oui. Chers abonnés, qu'est-ce que le psychologue fait là Un psychologue peut être expert en santé mentale. Il, il ne connaît strictement rien aux maladies psychiatriques. Il n'a jamais étudié ça. Il est moins bon. Il connaît moins de choses à maladies psychiatriques que beaucoup de travailleuses sociales et Nettement moins que des infirmières psychiatriques. Geneviève Guilbeault va avoir du travail. Il va falloir qu'elle explique à la collectivité comment se fait-il que le soir de l'Halloween, un individu déguisé se promène avec un sabre pendant deux heures, trois quarts, en frappant sur le monde. Il en a tué deux, blessé cinq. Geneviève Guilbeault, la ministre de la police, va avoir des choses à expliquer. Et ça se pourrait qu'on doive sévir contre elle. Parce que deux heures trois quarts au centre-ville de Québec pour appréhender un piéton qui assassine du monde, c'est long. C'est très long. C'est très, très long. Parce que là, si elle n'a pas de bonnes raisons à nous fournir, c'est dans son organisation dont elle est responsable, on va devoir sévir contre elle.